Hey, bonsoir tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien. Alors on se retrouve pour cette petite vidéo ASMR. Donc la vidéo ASMR du mois de janvier bien sûr. J'espère que vous passez de bonnes soirées en la compagnie de nos chers amis, les youtubeurs. Moi je suis quand même content de reprendre une nouvelle saison d'ASMR avec vous, sachant qu'elle m'a été demandée, donc ça fait quand même plaisir à voir. Vous avez été quelques-uns à dire non, arrête pas les ASMR, c'est bien comme vidéo. Donc voilà pourquoi je vais continuer. Alors je vais profiter de cette vidéo ASMR pour faire un petit brin de causette avec vous. Alors là, on est le 12 janvier. Ce sont les soldes. J'espère trouver mon bonheur pendant cette période de soldes. Donc voilà. Donc je ferai bien sûr une vidéo à pas d'achat intégral parce que ce serait idiot. Mais voilà, chaque semaine, je vous montrerai ce que j'aurai acheté pendant les soldes. Ensuite, bientôt, je ne sais pas encore quand, je vais tourner une nouvelle vidéo. Donc, c'est une première vidéo critique cinéma. Donc, quand ça sortira, j'espère voir. Et recevoir un accueil chaleureux de ta part, et dites-moi en commentaire ce que vous en penserez de cette vidéo. Donc voilà. Donc là on se retrouve pour l'ouverture de ceci. Donc une petite boîte comme vous pouvez le voir. Alors c'est la marque, c'est Tamashii Nation, donc en partenariat avec Bandai. Alors c'est mon petit magasin indépendant que je vous cite souvent sous le nom de Game Master qui m'a vendu cette figurine. Donc dans cette collection nous avons tout l'équipage du chapeau de paille, donc Nami, Sanji, le cyborg, je sais plus comment il s'appelle. Franky. Luffy. Brook. Usopp. Roronoa Zoro. Et l'autre nana, comment elle s'appelle déjà? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Ça va peut-être me revenir. Donc on voit quand même l'illustration de One Piece qui est juste là, le logo de Bandai. Et derrière, vous avez les affiches de recherche de chaque personnage, dont Nico Robin, celle que j'avais oubliée qui est là. Donc voilà, c'est donc Nico Robin. Alors, on peut. Alors, il y a. Ah oui, il y avait aussi Chopper. Donc, Chopper, c'est Tony Chopper. Donc voilà. Là, sur la tranche, vous pouvez voir Luffy. Donc, Monkey D. Luffy. Donc on va ouvrir ça. Bien sûr, moi c'est elle fait partie de ma déco, donc je sais à quoi elle ressemble vu qu'elle est déjà déballée. Donc voilà. Hop. Puis on a la boîte, on la referme. Et puis voilà. Donc moi j'ai quand j'ai acheté la figurine, j'ai pris Nami. Parce que Nami, c'est quand même
une de mes personnages préférés dans One Piece, avec Roronoa Zoro et Nico Robin. Donc voici notre cher ami Nami. Voilà. Donc avec son petit piédestal, son bâton qui contrôle la météo, et bien sûr les formes, les couleurs, qu'elles là sont quand même bien travaillées. Bon, c'est pas du bain de presto, ça je vous l'accorde, mais pour un travail comme ceci, moi je trouve qu'il est plutôt bien fait. Donc voilà. Alors cette figurine, je l'ai payée, si mes souvenirs sont bons, à peu près une petite dizaine d'euros. Sachant que j'avais ramené des jeux à ce moment-là, donc j'ai payé moins de 10 euros. Donc voilà. Ensuite, bah voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Moi je vous dis bonne nuit à tous et à toutes. Je n'oublie pas les femmes. Que la force soit avec vous. Ciao ciao tout le monde.